Bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration de ce 29e dimanche du temps ordinaire, dimanche des missions, sera présidée par le Père Georges Mador qui prononcera aussi l'homélie. Nous vous avons remis des enveloppes qui permettront de soutenir les missions Montfortaine. Vous pouvez mettre votre enveloppe dans la quête d'aujourd'hui ou bien nous la remettre dimanche prochain. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque quand vous vous déplacez, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. On vous recommande aussi de ne pas chanter. Levons-nous pour accueillir le président. Sœurs, nous voici rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme l'a dit Patricia, dimanche des missions, au pluriel, parce qu'il y a plusieurs types de missions. Être missionnaire, ce n'est pas seulement partir au bout du monde. Aujourd'hui, c'est une belle occasion de découvrir comment chacun et chacune, nous sommes appelés à une mission. Tournons-nous vers le Seigneur. Implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui enseignes le chemin de Dieu en vérité, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Puisque ton regard va au-delà des apparences, montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu, qui nous a choisis pour tenir bon dans l'espérance, nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et par le chant du Gloria, nous acclamons la gloire de notre Dieu. Dieu et paix au monde qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Dieu, roi du ciel, ô Père puissant. Gloire à Dieu. Fils unique du Père dans l'agneau
Recueillons-nous maintenant, faisons silence et prions. Seigneur, pour que l'œuvre du Christ se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as fait de ton Église le signe du salut que tu offres à toute personne. Ouvre l'intelligence de tes fidèles, fais-leur comprendre que tu les as choisis pour l'évangélisation du monde, de sorte que naisse et grandisse de tous les peuples de la terre le peuple de tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu a utilisé le roi païen Cyrus pour réaliser son plan de salut pour Israël. Car lui seul est le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Or moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec le psalmiste, faisons entendre à toutes les nations que le Seigneur gouverne les peuples avec droiture. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Paul rend grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a fait dans l'appel des chrétiens de Thessalonique.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été, chez vous, simple parole, mais puissance, action de l'Esprit-Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour acclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Comme des astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alléluia! Gloire à toi, Seigneur! Alléluia! Alléluia! Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. Et ils lui disent, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous donc ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César? » Connaissant leur perversité, Jésus leur dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce de monnaie. Jésus leur dit, « Cette effigie, cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondirent, « De César. » Eh bien, leur dit Jésus, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, mes amis, c'est un peu embêtant parce que c'est le dimanche des missions, mais l'Évangile ne parle pas des missions. Alors, on va aller du côté de la mission pour voir comment on peut découvrir que Jésus aussi était missionnaire. J'ai quelques petites images pour accompagner mon affaire. Alors, la première question qu'on peut se poser, vous l'êtes-vous déjà posé, mais c'est quoi un missionnaire? T'sais? Alors, dans le mot missionnaire, il y a le mot mission. Le mot mission, mes amis, ça vient du latin, missus, qui veut dire être envoyé. Donc, un missionnaire, c'est quelqu'un qui est envoyé. Okay.
le premier envoyé, le plus important des envoyés, c'est Jésus. Lui-même a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus, si missionnaire veut dire envoyé, Jésus est le premier missionnaire. C'est l'exemple parfait du missionnaire. C'était quoi sa mission? Pas compliqué. Jésus est venu proclamer, établir le règne de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu soit présent, que Dieu oriente et habite les gestes, les paroles des êtres humains. Quand on regarde le monde d'aujourd'hui, on regarde alentour, on dit des fois c'est le règne de l'argent, ou des fois c'est le règne de la consommation, ou, j'ose le dire, si on regarde nos voisins du Sud, actuellement, on a l'impression que c'est le règne du mensonge. Jésus est venu proclamer un autre règne, le règne de Dieu. Et il a voulu dire qu'il était là déjà, le règne de Dieu. Les miracles, la prédication de Jésus, c'est pour dire, j'invente pas des affaires. En moi, Jésus, Dieu vient régner avec sa force, sa bonté, sa compassion, son pardon dans nos vies. Okay? Mais il y a un problème, ça se complique. C'est qu'à un moment donné, c'est bien beau, Jésus est envoyé, mais à un moment donné, Jésus a dit, « Comme le Père m'a envoyé à mon tour, je vous envoie. » Ça veut dire que nous autres aussi, on est envoyés. Jésus nous envoie, nous aussi, nous sommes tous des envoyés. Jésus est le premier envoyé, mais nous autres, on est des envoyés. Nous avons tous une mission. Elle dit, ben oui, mais je ne suis pas pour faire ma valise puis m'en aller en Afrique ou en Papouasie. Mais non, c'est pas ça que ça veut dire. On a tous une mission là où nous sommes, avec ce que nous sommes. Je ne suis pas rien qu'un père de famille, je ne suis pas rien qu'une grand-mère, je ne suis pas rien qu'une employée, je suis aussi envoyée. J'ai une identité de professionnel, mais j'ai une identité de chrétien, de croyant. Je suis un envoyé. Okay? Là où je suis, avec ce que je suis. Puis je vous donne deux exemples. Mère Teresa. Mère Teresa, elle, était rentrée d'une congrégation d'enseignantes. J'oublie leur nom, là. Je pense à des sœurs de Nazareth ou quelque chose de même. En tout cas, peu importe. Et à un moment donné, elle était sur le train. Elle s'en allait de Calcutta pour faire sa retraite annuelle. Et là, je cite Mère Teresa, elle essayait, tu sais, quand tu te vois dans le train, elle vous dit, j'ai pris le train, tu sais, c'est kutoum, 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 kutoum. Tu sais, c'est des rails, hein? Alors, elle essayait de s'endormir. Soudain, j'entendis avec certitude la voix de Dieu, le message était clair, je devais sortir du couvent et aider les pauvres en vivant avec eux, c'était un ordre, un devoir, une certitude, je savais ce que je devais faire, mais je ne savais pas comment. Elle a quitté sa congrégation, est allée vivre avec les pauvres. Puis à un moment donné, il y a une fille, deux filles, trois filles, quatre filles sont venues se joindre à elle. Et quand elle est morte en 1997, il était dans 123 pays.
une petite sœur enseignante. Un autre exemple qu'on a vu dernièrement, vous l'avez vu à la télévision, hein? Un ado de 15 ans, si tu veux qu'il fasse, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas d'argent, mais Carlo, lui, il avait sa foi. Et puis, c'était, comme on dit, un geek. C'était un gars qui aimait ça, les ordinateurs, puis il jouait là-dedans. Alors, il a bâti un site web pour faire aimer Jésus. Il a été missionnaire avec ce qu'il avait. Il a été missionnaire avec ce qu'il était. Il a compris, faut que tu sois missionnaire. C'est la définition d'un missionnaire, d'un chrétien. Alors, être missionnaire, bien, ça peut vouloir dire sur mon milieu de travail, être bon, souriant, aider, pas répéter les commérages pour salir la réputation des autres. Ou bien, si je suis retraité, bien, c'est rendre service aux personnes autour de moi, c'est de téléphoner, c'est de prier pour des prêtres qui sont missionnaires, qui sont ici, pour les malades que vous connaissez. On a tous une mission. Il s'agit de la trouver. Okay? Mais c'est quand même le dimanche, des missions à travers le monde aussi. Hein? Et puis, bien là, nous, les Montfortins, du Canada, on a fondé une mission en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Puis là, je vous montre Monseigneur Côté, qui est le dernier Canadien. Je pense, je voulais demander à Richard Larouche. Je pense qu'on a déjà été une vingtaine de missionnaires canadiens en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il en reste un, c'est Gilles Côté. C'est? Là, il est beau dans toutes ses parures d'évêque papou, mais il m'a envoyé une photo hier. Ça, c'est Monseigneur Côté qui part en mission avec son biloum. Ça, c'est des sacs des papous. Et puis, son bâton. Puis, il s'en allait en patrouille. Puis, 49 ans en Papouasie. Là, il va peut-être revenir l'année prochaine. Donc, je termine en disant que le premier message, c'est de réaliser que je suis envoyé par Jésus. Et le deuxième message, c'est qu'on va aider ceux qui sont missionnaires au loin. T'sais? Je regarde à ça de proche, là, les bottines de Monseigneur Côté commencent à être usées. Ça va y prendre des bottines neuves. Alors, on va faire une quête pour acheter des bottines à Monseigneur Côté, puis peut-être y acheter un petit, je ne sais pas trop quoi, un Jeep, quelque chose, pour ses patrouilles. Donc, ben, moi, j'aimerais que on remercie Jésus pour la mission qu'il m'a donnée. Ça donne du sens à ma vie. Je ne suis pas rien que là pour travailler mes 40 heures par semaine, ou je ne sais pas trop quoi, faire ma petite besogne. Je suis missionnaire, moi aussi. J'ai une mission. Alors, demandons à Jésus aujourd'hui qu'il nous fasse mieux découvrir notre mission personnelle et qu'il nous aide, à être missionnaire, chacun à notre manière. Levons-nous, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu,
le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme l'apôtre Paul, qui, dans sa prière, faisait mémoire avec gratitude des chrétiens et chrétiennes de partout, exprimons notre action de grâce, notre supplication au Maître de l'univers, en disant ensemble, « Dieu de bonté, que ton règne vienne. » Prions pour les gouvernements qui s'efforcent de faire leur travail avec diligence, que le Seigneur leur donne la sagesse de l'Esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les communautés chrétiennes dont la foi est active et la charité inlassable, que le Seigneur leur accorde la joie de l'Esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les gens qui annoncent l'Évangile, que leurs paroles soient remplies de la puissance de l'Esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les personnes qui partagent audacieusement leurs ressources avec les plus pauvres, que le Seigneur les comble de la richesse de l'Esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Toi qui tiens tout dans ta main, reçois par nos voix, Père, les joies et les peines de notre monde. Hâte la venue du jour où toutes les nations verront tes merveilles. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos dons qui nous permettent de poursuivre et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ et souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut de tous. En lui qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie, fais-toi reconnaître comme le Dieu d'amour d'une extrémité du monde à l'autre. Que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l'action de grâce de Jésus, ton Fils, notre Sauveur, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Nous prendrons la prière eucharistique à la page 17 de votre prion. Page 17. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus, le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, par ton Verbe, tu as créé le monde, et par lui tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi, il est la vérité qui rend libre, il est la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des personnes si diverses, créées pour la gloire de ton nom, rachetées par le sang de la croix et marquées du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel et dans la joie, nous chantons. Ça, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient. Tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton esprit afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna aux disciples en leur disant, « Prenez.
buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra. Nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Père, regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton Esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils. Resserre les liens de notre unité avec le pape François, notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses, leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Père, souviens-toi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans la paix du Christ. Souviens-toi de tous les morts dont toi seul connais la foi. Et en cette Eucharistie, Père, nous te confions Thérèse Brasseur. Cette Eucharistie est aussi offerte en action de grâce et remerciement. Père, lorsque prendra fin notre pèlerinage sur terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils, le bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Avec ceux et celles qui prient avec nous le Père, avec ceux et celles qui ne le connaissent pas encore, nous nous unissons pour dire ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie,
où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse en elle, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix de Jésus soit toujours avec vous. Il est l'envoyé du Père dans notre monde. Accueillons-le, qu'il fasse de nous de bons envoyés. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Le corps du Christ. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour. Gardez la distanciation. Pour vous dans les salles, un prêtre viendra vous apporter la communion. La communion sera donnée seulement dans la main. Merci.
Voici quelques annonces. Obligation d'avoir un registre, conformément au décret gouvernemental, un registre des participants à la célébration est requis. Veuillez laisser votre nom et votre numéro de téléphone ou adresse courriel pour faciliter le travail de la santé publique en advenant une éclosion. Merci de votre collaboration. Aujourd'hui, c'est le dimanche des missions. Comme chaque année, des enveloppes sont disponibles pour nous permettre de soutenir les missions Montfortaine. Prenez-en une si vous n'en avez pas encore. Je vous rappelle que vous pouvez nous remettre votre enveloppe dimanche prochain. Le lundi 19 octobre, nous vous présenterons le film « La mission » à la grande salle à 19h. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Sortez par la porte la plus près de vous. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions. Nous recevons de toi, Seigneur, les vivres que nous aurons dans ton royaume, et nous te prions pour les êtres humains qui ne te connaissent pas encore. Que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton Église, attire à la vérité toujours plus de croyants. Nous te demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Honorons la Vierge Marie en nous tournant vers elle pour lui chanter un chant. Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Marie, le Seigneur est toujours avec toi. Mère, femme comblée entre toutes les femmes. Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu. Réjouis-toi, Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne semaine, bon dimanche, allons dans la paix du Christ.